vingila mulu sambulu bata mula pepe iba vingila Tsukie!
Yeah.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons procéder à la levée du corps de Maman B au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix soit sur les familles Massamba et Nkuka et sur nous tous. Que la paix du Christ à laquelle nous sommes appelés règne dans nos cœurs. Amen. Amen. Écoutons ces paroles des Saintes Écritures. Voici le cri de la détresse des hommes. La joie de notre cœur a cessé. La couronne de notre tête est tombée. C'est pourquoi notre cœur est dans la tristesse.
Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié? A-t-il retiré sa miséricorde? Sa bonté est-elle épuisée? L'Éternel parle, il dit, « Je connais les projets que j'ai faits pour vous, projets de paix et non de malheur. C'est moi, moi qui vous console. Je vous consolerai comme une mère console ses enfants. » Et Jésus-Christ affirme, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le respect de la mémoire de celle qui nous a quittés et qui est entrée dans la gloire, je dis bien dans la gloire, tout à l'heure, nous allons encore chanter l'un des derniers cantiques qu'elle a chanté, hein, que vous connaissez, vous les sœurs. Nous allons chanter ce cantique pour montrer notre union avec sa foi chrétienne. Les sœurs, vous allez entonner ce chant et nous allons le chanter avec vous. Mais de grâce, c'est le Seigneur qui l'a rappelé. De grâce, elle était prête. C'est ce qu'elle m'a dit. Pasteur, maintenant je suis prête. Et ça suffit. Il ne faut pas trop spéculer pendant que nous pleurons. Comprenons que elle a souhaité, elle a attendu ce moment. Elle a attendu ce moment et Dieu est simplement venu la chercher. Donc, acceptons hein, ce qui s'est passé. Les émotions sont là. Quand ça arrive, c'est normal que nous pleurons, mais attention à ce que nous disons. Merci beaucoup. Nous allons chanter. Yaye kama kwamfuluzi warula mwela mi Je vous invite à la prière. Dieu notre Père Céleste, nous voulons, au-delà des pleurs, au-delà des émotions, te dire merci. Parce que tu nous avais fait un don précieux. Tu as fait un don précieux à la famille Nkuka. Tu as fait un don précieux à la famille Massamba en leur donnant cette sœur, en leur donnant cette fille, en leur donnant cette maman, en leur donnant cette épouse
Seigneur, merci. Merci aussi pour cette femme de foi et de cœur qu'elle a été. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, merci pour son passage sur la terre qui a marqué plus d'une personne. Merci Seigneur Dieu, notre Père Céleste, de ce qu'elle a été un sujet de bénédiction pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Merci Seigneur Dieu. Oui, elle a été un sujet de bénédiction aussi pour sa famille biologique, mais aussi pour tous les amis, ceux qui l'ont connue. Père, nous te bénissons pour tes bienfaits. Père, que le Saint-Esprit continue, Seigneur, à fortifier les cœurs des uns et des autres et nous amène, Seigneur, à accepter ta volonté souveraine. À accepter, Seigneur, le choix de maman B. Elle était certainement fatiguée de la vie qu'elle a menée vers la fin. Seigneur, elle ne pouvait plus continuer à vivre sous cet air conditionné. Seigneur, elle a préféré le ciel. Alors, Seigneur, tu l'as recueillie. Fortifie les enfants. Je t'en prie, Seigneur, fortifie ces enfants qui pleurent leur mère. Fortifie les petits-enfants. Fortifie toutes ses connaissances, les membres de la famille, Seigneur, que ta grâce soit sur eux, maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous allons demander à 4 personnes de dire quelques versets bibliques avant que nous puissions dire. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Ouais.
Oh!
s'il vous plaît. Ma bébé, ma bébé, ma bébé. Oh, ma bébé. Thank you.
Béatrice. Nous vous accueillons en cette église avec les pasteurs qui vous ont connus. Au nom de votre baptême, ce baptême qui a fait de vous un enfant de Dieu. Nous vous invitons donc à entrer dans cette église pour qu'ensemble nous puissions célébrer votre Pâques. Que le Seigneur, lumière pour ceux qui gisent dans l'ombre de la mort, conduise vos pas dans l'éternité, lui qui est vivant pour les siècles et siècles. Amen. 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 Accueillir en cette église Béatrice au nom de son baptême qui a fait d'elle fille bien-aimée de Dieu. Et je voudrais accueillir avec elle les révérends pasteurs qui sont avec nous, pasteur Raymond, pasteur Thomas et pasteur Stéphane. Soyez les bienvenus dans cette église Saint-Germain de Bessan. Et je voudrais dire aussi bienvenue à toute la famille de Béatrice, à ses sœurs. Je voudrais particulièrement saluer son époux, Martial, avec qui ils ont partagé des années de vie, d'amour. Et je voudrais saluer le fruit de leur amour, leurs enfants. Et je ne peux pas oublier leurs petits-enfants. Nous sommes rassemblés ici dans cette église parce que convoqués par la mort, mais nous ne nous rassemblons pas pour célébrer la mort, nous sommes rassemblés pour célébrer la vie, celle de Béatrice qui s'est épanouie au milieu de nous, que nous avons connue et aimée. En vous accueillant donc dans cette église, nous voulons faire une célébration écuménique
puisque Béatrice nous laisse un témoignage important, que la foi, elle peut être vécue aussi diversement et dans l'unité. Alors en ce jour, réunis dans une même peine, laissons la foi triompher de la mort. Et je vais maintenant, à présent, laisser la place au pasteur Rémi qui va conduire cette célébration. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Amen. Je vous invite à vous. Pour nous, convient de le souligner aussi tout à l'heure, le Père Ferdinand, et pour écouter la parole de Dieu, cette parole qu'il désire nous adresser en ces circonstances. Malgré notre peine, bien-aimés, nous affirmons que Jésus-Christ fait route avec nous et nous promet la vie auprès du Père. Je vous invite à la prière. Prions le Seigneur. Dieu notre Père céleste, nos cœurs sont meurtris, nos cœurs sont brisés par le rappel auprès de toi de notre sœur, de notre fille, Béatrice Massamba. Mais Seigneur, nous voulons te dire en même temps combien nous nous sentons réconfortés par ta présence, car tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu nous as aussi promis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, même lorsque nous serons dans le deuil, tu es là. Et parce que tu es là, Seigneur, nous nous sentons consolés. Nous voulons, Seigneur, te confier ce culte, afin que tu le conduises avec nous, afin que tu nous parles, que tu disposes nos cœurs en dépit de la tristesse qui nous habite, mais que tu disposes nos cœurs vraiment à recevoir ta parole. Car c'est à travers elle que nous allons être véritablement consolés. Que ta grâce soit sur tout envers qui s'est réuni, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen. Thank you.
l'esprit du Christ. Amen. Dire une petite biographie concernant notre sœur Béatrice. Béatrice Nkuka, épouse Banyakana, épouse Massamba, est née le 8 janvier 1958 à Brazzaville, République du Congo. De feu Nkuka Léonard et de feu Kouidibio Thérèse. Béatrice est la troisième enfant d'une fratrie de 6 filles. Malheureusement, très tôt, la fratrie s'est retrouvée orpheline. Toute mineure, l'aînée avait 11 ans et la Benjamine un jour, suite à la disparition prématurée de leur maman. Sous l'œil vigilant des mamans du quartier et des parents de cœur de l'église évangélique protestante de la paroisse de Bakongo, Papa Nkuka Léonard a assuré à la perfection non seulement son rôle de père, et également mené à bien la bonne éducation de ses enfants. Papa Nkuka portait ainsi le double rôle, à la fois père et de mère. C'est ainsi qu'il a veillé à apporter à ses filles une éducation strictement religieuse, notamment par la pratique quotidienne des cantiques, afin de tous nous ancrer dans la paix, la joie, l'amour divin, et éloigner ainsi la tristesse de la perte de son épouse, notre mère. Béatrice, appelée sous son petit nom Tantine B, était très douce, réservée et peu loquace. Papa Nkuka la défendait systématiquement quand il y avait des petites disputes entre sœurs. L'engagement religieux de Béatrice s'est concrétisé dès décembre 1970 lorsqu'elle a reçu le baptême. Par la suite, elle intègre le groupe des chants Kilombo Centre à la paroisse de Bakongo. Puis, à l'âge de 18 ans, elle décide de poursuivre l'approfondissement de sa foi au travers d'enseignements bibliques auprès du CBE. Sitôt arrivée en France, elle intègre la chorale d'Alésia. Et jusqu'à la fin, même pendant la maladie, clouée à domicile, elle n'a cessé de chanter pour le Seigneur. Dès son jeune âge, Béatrice a commencé à travailler à l'éducation nationale au Congo-Brazzaville. Dotée d'un esprit vif et entrepreneurial, Béatrice était une femme battante, toujours active, qui ne lésinait pas dans la gestion de ses activités commerciales. Mariée à M. Massamba Didas au Congo, le 18 octobre 2000, Béatrice a eu la joie de devenir maman et a porté en son sein 4 filles, Betty, Dominique, Dieudonné, Marie-Louange. Elle a également connu le privilège d'être grand-mère de 12 petits-enfants qu'elle a pu aimer et choyer. Femme toujours aimante, généreuse et attentive au bien-être des autres, Béatrice a su laisser une trace indélébile dans le cœur de son prochain, de ses amis, de sa famille. Partie trop tôt, selon nous, mais désormais dans les mains de notre Père Céleste, nous avons l'intime conviction que là où elle est, Béatrice garde un regard attentif et prie pour chacun de nous. Nous mesurons l'immense honneur et plaisir d'avoir pu cheminer avec elle ici sur cette terre, et tenant à rendre ce bel hommage à celle qui ne fait que nous précéder auprès de notre Créateur. Tu vas nous manquer, Tantine B, et tu nous manques déjà beaucoup. Toi qui aimais nous répéter, Ndondele, Nimoulou Samaloukwa, tu as chanté jusqu'à ton dernier souffle, femme de foi. Nous sommes fiers de toi. Bravo. Un bravo spécial à nos filles qui t'ont accompagné de tout cœur, insuffle leur amour fraternel. Repose en paix, Tantine B. Merci beaucoup.
présentation de la biographie de l'illustre maman Béatrice. Il y a aussi les enfants qui ont souhaité faire un témoignage. Une femme exceptionnelle, remplie d'amour du prochain et de la bonté. C'était une femme de foi. La prière, rien que la prière vers sa bouche. Sa générosité était extrêmement grande. Elle me disait toujours, Domi, tu sais, toute personne que Dieu a créée est importante. Tu sais, Domi, il faut apprendre à semer le bien. Le bienfait ne s'épuise jamais. Jamais, jamais, jamais. Elle avait pour passion la cuisine. Et cette passion, elle exerçait particulièrement avec amour et patience. Toute personne était satisfaite de sa cuisine. Et son souhait était de transmettre ces valeurs de cuisine qu'elle avait en soi. C'était une femme battante, entreprenante. Elle est partie, certes, avec sa foi, une foi véritablement solide. Je sais pertinemment de là où elle se trouve, qu'elle veille sur nous par ses cantiques impoisibles, par sa prière. Malgré la maladie, quand elle était souffrante, quand on l'appelait, elle répondait toujours par « Je prie, je suis en ligne et je suis le culte de Mayani. » Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Mayani, c'est l'une des paroisses de l'Église évangélique du Congo au plateau des 15 ans, à Brazzaville. Nos souvenirs d'enfance, elle nous a toujours emmenés sur le chemin de la foi, le chemin de Dieu. Les souvenirs à Pointe-Noire, les souvenirs à Brazza, que la foi, la foi. J'ai plein de souvenirs d'enfance où on partait en sortie de l'église évangélique du Congo. C'était des sorties d'évangélisation. Et la dernière fois qu'on parlait, je lui ai rappelé, maman, tu sais, quand on était partis, tu nous emmenais un peu partout, toi, maman. Elle me dit, bah oui, oui, c'est ça, ma fille, c'est Dieu avant tout, ma fille. Il faut suivre le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la vérité. Maman, repose en paix. Nous, tes enfants, nous t'aimons énormément. Cet amour du prochain que tu avais, nous allons continuer à le pratiquer entre nous, enfants, et dans la famille. Maman, nous te reverrons plus, certes. Par contre, je sais que tu resteras parmi nous. Je t'aime, maman. Je t'aime de tout mon cœur, maman. Je t'aime, je t'aime. Merci, maman. Merci beaucoup. Et alors, nous avons commencé notre entretien, mais je puis vous assurer, était plus ou moins arrivé à prononcer ces paroles. J'ai senti quelques émotions, mais la vie qui dit non, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Vous allez prier. Mais demandez simplement à Dieu que sa volonté soit faite. Alors, elle était prête seulement d'un moment à l'autre. Et en dépit de cette difficulté de s'exprimer parce que c'était son ministère. Au départ, j'ai pris en moi. Voilà comment l'accompagnement pastoral. Pour ceux qui sont déjà dans la foi, cette bien-aimée nous a laissé. Souvent,
pas vieillir. Non, au contraire. Elle avait certainement compris que c'est. Elle pouvait encore parler, peut-être qu'elle entendrait les paroles de Paul, où il dit. Et pour ceux qui ne sont pas morts dans la foi, alors, comprendre que la vie est courte, en bonne santé, tout peut arriver à tout moment. Et les plus heureux traversent ces. Maman B a. Nous avons. Le cantique qui doit être 404, le cantique qui dit Lila, qui est cette femme. C'est un recueil 25. Vous avez aussi les copies de ce chant. On tient de vous. Et où tu es, on a pas voulu dire, nous
nous savons. Nous dit si à nous croire. Dans un premier texte de la lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Frères et sœurs, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. De même, nous croyons que Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts. À un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les personnes qui sont mortes, unies à Christ, se relèveront les premières. Ensuite,
nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Continuez à écouter la parole de Dieu par le Père Ferdinand. Puisque nous accompagnons une femme de prière, prions ensemble avec le psaume 129. Le refrain « Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. » Peut-être que vous connaissez le refrain. « Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Si tu retiens la faute, Seigneur, Seigneur qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur Israël. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Et maintenant, je nous propose d'en écouter l'Évangile. Cet Évangile est tiré de Saint Jean, le chapitre 14, les versets 1 à 6. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père
sans passer par la mort. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Thank you.
prière. Nous voici, Seigneur, à l'heure d'écouter le message que tu as pour nous. Aide-nous, Seigneur, à faire silence dans nos cœurs pour que nous puissions t'entendre nous parler. Merci pour ta parole qui est une parole de vie. Merci pour ta parole qui nous apporte la consolation, le réconfort nécessaire. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Sinon, notre méditation, nous allons lire le texte qui se trouve dans l'Apocalypse de Jean, donc le tout dernier livre de la Bible. Apocalypse de Jean, chapitre 14, et nous allons lire le verset 13. Apocalypse de Jean, chapitre 14, le verset 13. Nous lisons ce texte au nom du Seigneur. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je reprends. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Comme chacun le sait, toute personne connaît le bonheur de la vie, mais sera aussi confrontée à la réalité de la mort. Justement, est-ce que cette dernière, c'est-à-dire la mort, est pour nous une épouvante, un mauvais moment à passer, un grand point d'interrogation? Puisque la Bible nous parle des origines de la vie, nous pouvons aussi nous demander, que nous dit-elle sur la dernière échéance de la mort? L'apôtre Jean, le dernier apôtre à nous avoir laissé un message, nous dit dans ce livre, j'entendis une voix qui du ciel disait, écris, heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur. En d'autres termes, ceux qui meurent dans le Seigneur sont heureux. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur labeur, car leurs œuvres les suivent. L'apôtre écrit cette phrase qui lui est dictée par une voix céleste. Elle émerge positivement alors que Jean voit défiler des scènes de jugement et de fin du monde.
comme un puits de lumière dans une cellule obscure. Cette béatitude a de quoi nous surprendre, mes bien-aimés. Peut-être même que pour certains, entendre heureux les morts se présente comme une blague, comme une provocation. Quoi qu'il en soit, essayons d'approfondir la portée de cette déclaration solennelle. Rappelons tout d'abord que le livre de l'Apocalypse se définit comme la révélation de Jésus-Christ. Le mot Apocalypse est un mot composé dans la langue grecque. Et le verbe qui donne son sens original signifie découvrir, regarder sous le voile. En réalité, le livre de l'Apocalypse, loin d'être explicitement une description de catastrophe, est avant tout un livre qui nous parle de la suite du ministère de Jésus-Christ. On pourrait intituler ce livre « À la découverte de Jésus-Christ ». Cette précision est rendue nécessaire à cause de l'usage populaire et journalistique que l'on en fait. Bien-aimés, la grande nouveauté spirituelle nous plonge dans le ministère d'intercession que le Christ a poursuivi auprès de son Père. Non seulement il a donné sa vie pour nous à la croix, mais encore, depuis ce temps, il plaide notre cause. Jésus plaide notre cause. L'apôtre Jean déclare, « Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est ton avocat, il est le mien aussi. » L'apôtre Paul avait déjà confirmé ce propos lorsqu'il a dit dans Romains 8, 33 à 34, « Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu justifie. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. » Lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. C'est merveilleux de savoir que pendant que nous sommes dans cette vie, en train de lutter dans notre foi, il y a quelqu'un auprès du Père qui intercède pour nous. Tellement son désir est de nous avoir auprès de lui lorsque notre temps de vie ici-bas sur terre aura connu son terme. Il est agréable pour nous d'acter le fait que Jésus de Nazareth n'a pas cessé de défendre la cause de tous les humains. Cette plaidoirie l'a conduit à accepter le sacrifice suprême de la croix. La Bible nous dit que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Si ça ne dépend pas de Dieu, en fait, voilà. Il est question que tous soient sauvés. Pourvu simplement que tous acceptent Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. La croix d'un mourant à Golgotha. Quand nous voyons
Jésus verse mourant sur la croix, mais là, un mort, mais plutôt d'entre les morts. Nous vénérons un vivant. Il est ressuscité et il intercède pour nous. Elle est là, la glorieuse bonne nouvelle, mes bien-aimés. Prenons vraiment conscience que nous sommes.
Alors, le plus simple, après la sortie, vous n'avez qu'à suivre ceux qui seront devant et personne ne se perdra. Tout le monde arrivera au cimetière qui est juste avant nous. Après donc, le cimetière, vous êtes invité pour la collation, ça se passe dans la cour ici. Donc la salle qui est dans le jardin de la paroisse. Là aussi, personne ne pourra se perdre, il n'y a qu'une seule salle. Je vous invite à vous lever. Terminons notre temps de prière. Il m'avait été demandé de faire une exhortation, mais nous avons tellement reçu des paroles. Je voudrais tout simplement m'adresser à la famille. C'est un prêtre qui disait les gens, ce sont les mots avec lesquels Dieu écrit son histoire. Et avec notre sœur, Dieu a écrit une histoire bien particulière qui se résume pour moi en trois mots. Vivre pour elle, c'est vivre dans la foi. Vivre pour elle, c'est vivre avec les autres. Vivre pour elle, c'est prendre soin de ceux et celles qui sont dans le besoin. Son mari me disait, c'est une maman Boboto. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà. C'est une maman Boboto parce qu'elle savait se donner pour les autres. Voilà ce que nous pouvons retenir de cette vie que nous accompagnons ici aujourd'hui. Puissions-nous, à son exemple, nous aussi, être animés de la foi, vivre ensemble dans la paix et prendre soin les uns des autres. C'est dans cet esprit qu'ensemble nous prions. Dieu très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre sœur dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour Béatrice. Elle a reçu cette vie qui vient de toi et nous y reconnaissons les signes de ton amour et la communion avec les saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celle qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre sœur Béatrice auprès de toi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. J'invite tous les pasteurs à venir devant pour que nous puissions donner la bénédiction ensemble. Que Dieu notre Père étende sur vous sa main et vous accorde la bénédiction. Que le Seigneur de qui vient tout don parfait donne à Béatrice de reposer dans la paix de sa présence. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Et que le Seigneur Tout-Puissant répande sur chacun de vous et sur Béatrice sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
On a le nom Bavon, Bavota, na YouTube. La Santa.
Papa nous chantait chaque jour que le bon Dieu a créé. Voilà pourquoi nous avons, c'est ancré en nous, les chants. Et papa disait pour Tantine B, parce qu'on doit raconter sa vie, Tantine B, elle patinait un peu à l'école. Et papa lui disait quoi? Qu'est-ce qu'il disait à papa? Hein? Par rapport à l'orphelinage, elle a eu des séquelles. Oui. Donc du coup, elle était très lente. Elle était ici, on les appelle les tiers-temps, mais là-bas, on ne savait pas. Oui. Donc du coup, maman B écrivait lentement. Elle écrivait lentement. Et du coup, moi, je l'ai rattrapée en, oui, en classe, voilà. Troisième. Voilà. Donc comme on est des Kouka, on était côte à côte. Côte à côte. Et jusqu'à l'examen. Et moi, je lui filais des copies parce qu'on en rigolait tout le voilà. temps. Et à l'examen, moi, quand j'écrivais, j'étais rapide. Je lui filais ce que j'ai copié pour qu'elle puisse recopier. Et sauf que comme elle était lente, elle n'avait pas pu, donc elle avait raté son examen. Et c'est en pleurant que quand on a affiché, elle commençait à pleurer. Et papa a dit non, ne pleure pas, mais tu ne vas pas redoubler. Tu ne vas pas redoubler, je vais te mettre à l'éducation nationale. On chante, on chante. Ça y est. Allez, 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 allez
Se faisait au cimetière. Maman, tu dis des registres. Alors, à cause de notre foi en Jésus-Christ et de notre espérance en la résurrection des morts, à la terre, le corps de Maman B a été tiré. À la terre, nous le rendons. Éternel Dieu, nous remettons l'esprit de Maman Béatrice entre tes mains. Que le Seigneur, dans l'espérance de la résurrection, laisse sa servante désormais reposer en paix en ce lieu. Amen. Amen. Alors, ceux qui ont encore des fleurs. Indulanga